Allô SF. Yeah, un trou en conséquence quand même. Oui, tout à fait. Bon, vous l'avez constaté, décor un peu particulier parce qu'on vous souhaite tout simplement la bienvenue pour ce premier Warthog Run, tout bêtement. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cet événement, enfin vous l'aurez compris que c'était un événement. Et justement, on est là aujourd'hui pour un peu vous expliquer qui, quoi, où, comment, bref, ce qu'il faut savoir sur cet événement qu'on est en train de vous préparer. Et on va se lancer directement dans le vif du sujet, histoire que vous en sachiez un peu plus. Alors vous l'aurez certainement compris, mais l'événement va donc se passer. Alors déjà c'est un événement de course, je pense que là vous l'aviez, mais on sait jamais. Alors il va y avoir des véhicules. Donc au cas où vous l'auriez pas compris, c'est une histoire de course. Et donc ça va se passer sur Halo bien sûr, sur Halo 5, hein, comme dans la vidéo, et comme là maintenant on sera sur Halo 5. Et là aussi c'était expliqué dans le trailer, mais on le confirme, ça se passera donc, les courses, ça sera par équipe, entre autres par duo. Pour les inscriptions, comment qui vont faire s'ils veulent s'inscrire à cet événement? Alors, pour vous inscrire, vous avez à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers un formulaire dans lequel vous allez juste devoir marquer en gros votre nom, si vous avez un duo et quand est-ce que vous êtes disponible. Et si jamais vous avez en effet quelqu'un déjà en duo, pourquoi pas optionnellement marquer un nom d'équipe si vous en avez un, si vous en voulez un. C'est optionnel pour l'instant, c'est pas obligatoire. Mais voilà, pour ceux qui justement n'auront pas de coéquipier pour une raison X ou Y, il y en aura certainement plusieurs qui s'inscriront tout seul en mode bah, je verrai bien, on s'organisera après pour voir comment on organise les tandems. Donc ça c'est pour l'inscription. Donc voilà, je sais pas si tu l'as précisé, mais c'est vraiment dimanche soir minuit. On précise bien, hein, vraiment à toute fin de semaine. Pour ce qui est de la course, on va pas vous en dire tout en détail aujourd'hui, étant donné que y a encore des choses qu'on veut vous garder entre guillemets secrètes, quoi, teasing comme d'habitude. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va se passer sous forme de championnat. Si vous savez comment se passe un championnat, ça sera dans les grandes lignes comme ça que ça se fera. Et les courses auront lieu le même jour et la semaine prochaine. Là aussi, au niveau de la date, ça reste à confirmer puisque on a quelques idées en tête, mais on veut pas imposer une date qui n'irait pas à la moitié des coureurs. Donc, pour l'instant, on choisira la date voilà. Pour laquelle on a le plus de monde voilà. Disponible. Et pour terminer, dernière info qui peut vous être utile, vous intéresser. Sachez que tout ça sera rediffusé et que le kéké que vous voyez derrière depuis tout à l'heure faire le con en Warthog, bah c'est Hog. C'est lui qui va gérer le truc avec nous bien sûr, et ce sera avec lui aussi que ce sera rediffusé derrière sur la chaîne. Voilà, donc parce qu'il a une petite expérience dans le domaine, si vous connaissez le bonhomme, donc on a dit allez, à l'OSF c'est le but, c'est on veut travailler main dans la main avec la commu. Donc voilà, c'est pour le dire à l'avance, que vous le sachiez, ce sera sous son aile que ça va se profiler. Donc voilà, maintenant que vous avez toutes les infos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bah voilà, bonne chance. N'hésitez pas à vous inscrire, même si vous n'avez pas de duo, on trouvera des trucs sympas à faire. Le but, c'est de s'amuser pendant le confinement, en fait. Sur ce, prenez soin de vous, restez chez vous, lavez-vous les mains, et on se dit à l'heure prochaine. Lavez-vous tout court aussi, ça peut être bien. Oui, lavez-vous le reste aussi. Faites polir les Warthogs et on se retrouve très bientôt pour l'événement principalement, du coup. Et à l'heure prochaine, à plus. Ciao, ciao.